Le film que vous allez regarder parle d'un voyage en catamaran de Port-Saint-Louis-du-Rhône à la Martinique. Le film parle aussi des rénovations que nous avons faites à ce catamaran avant de partir. Il parle également des belles soirées que nous avons passées à Port-Saint-Louis. Et puis, il parle bien sûr aussi de navigation, des escales que nous avons faites à Almerimar, à Lanzarote, des balades que nous avons faites à Lanzarote, des rencontres que nous avons faites, et puis de tous ces merveilleux moments que nous avons vécus pendant cette année. Mais je vous laisse encore un petit moment en compagnie de ce merveilleux coucher de soleil que j'ai eu l'occasion d'admirer lors de ma traversée, car bientôt l'histoire va commencer. Cette histoire débute lors de la lecture d'une annonce pour ce catamaran, et nous partons le voir. Allez, vive l'aventure! Petit repos bien mérité sous l'autoroute durant le trajet aller. Se dit Will, miam miam. C'est vraiment beau la France. L'hôtel où nous allons séjourner lors de notre visite. Le soir, bien sûr, ben, on parle bateau. Que pourrait-on parler d'autre? Et je réponds à Nicole à toutes ses interrogations. Vite au dodo, car demain, hop là, visite. Permission de monter à bord? Grosse discussion avec les vendeurs pour l'achat du bateau, bien sûr. Je prends déjà mes mesures, on ne sait jamais, pour le logo. Le sol, bof, pas terrible, des palettes de bois. Le gréement, ben lui, il sera changé parce qu'il est vraiment vétuste. Je fais une visite approfondie du bateau, bien en détail. Les propriétaires nous invitent au Yacht Club, histoire de discuter de l'affaire. Et nous voilà propriétaires. Magnifique coucher de soleil sous le Rhône. C'est vraiment splendide. Au retour, Nicole est heureuse. Moi aussi d'ailleurs. Ah, c'est tout ce qui doit rentrer dans la camionnette. La voilà. Et après, cela devra rentrer dans le bateau. Évidemment. Et je pense que ça va rentrer. Nous allons mettre 3 jours, plus ou moins, pour tout faire rentrer. Même si à la base, on s'est demandé où on allait tout mettre. Il y a un petit peu du bazar partout, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme il y a du bazar partout? On fait un petit Airbnb pendant 3 jours, histoire de ranger le bateau. Et au bout de 3 jours, voilà, tout est en ordre. Là, c'est quand nous retournons à PSL, on va par le TGV, et nous allons louer une voiture à Marseille. Voilà Marseille. Dès que nous arrivons à Port-Saint-Louis, le Mistral souffle, mais alors là, comme pas permis. On se demande un petit peu dans quoi on est tombé, honnêtement. Les bateaux d'ailleurs sont ballottés, ça se voit ici. Ah, ça c'est notre bateau qui a déjà été dématé, parce que j'ai déjà commandé de Bruxelles le travail. Pendant ce temps-là, ben Nicole, on a décidé de refaire les rénovations et Nicole prend les mesures pour décorer la cuisine.
quoi. Toutes les mesures sont prises et on calcule, c'est pour placer la rose des vents. Voilà cette fameuse rose des vents dessinée au crayon et Nicole la peint à la main. Là, ici, on le voit plus en détail, de plus près. Voilà ce que ça donne une fois fini. Je vais y rajouter une petite poignée en inox pour finir le tout. Ça, c'était avant la cuisine, comme là, quand nous avons visité le bateau. Avec les armoires, les ports d'armoires, qui étaient un petit peu vieillottes. Des portes aussi, ça c'est pas très joli, c'est un petit peu abîmé. Et voilà ce que ça donne. C'est quand même tout autre chose. Même la porte du frigo était refaite. Voilà, le sol aussi, bien sûr. Nous sommes très satisfaits de la rénovation. Là, nous avons fait des copains à Navy Service, des Belges comme nous, qui vont nous permettre de découvrir la Camargue. Et ça fera de jolies pauses pendant nos rénovations. Voilà une des belles plages de Camargue qui nous ont fait connaître. C'était un moment un petit peu hors du temps. Ce jour-là, il faisait pas très beau. Will, lui, il en profite un maximum. Il s'amuse comme un petit fou. On le fait un petit peu courir d'ailleurs, pour un petit peu le sortir de sa torpeur du bateau. Ah, les flamants roses de la Camargue. Sans eux, la Camargue ne serait pas la Camargue. Alors, on va mettre des stores sur les plexis du carré parce que c'est franchement trop chaud en été. Alors que bébé confectionne des patrons, elle fait les stores, elle confectionne les stores. Ah oui, ça c'était aussi un meuble table qu'on trouvait fort encombrant et on a décidé de l'enlever. La circulation était vraiment compliquée dans le carré. Je vais faire ça en deux temps, trois mouvements. D'ailleurs, ce meuble n'était pas d'une solidité à toute épreuve, loin s'en faut. Et je vais tout enlever. Là, c'est déjà l'espace qui est créé. Évidemment, j'ai mis n'importe quoi au sol. Après, on va faire un fond pour le sol. Et à ce moment-là, je mets le végrage, parce qu'on a commandé également du végrage, et je le positionne. Voilà, ça c'est quand le résultat final est fait et déjà la table, la nouvelle table que nous avons fait confectionner. Là, c'était avant la table à cartes et je vais faire poser un nouveau traceur et un nouveau smart control. Toujours la table à cartes. Tout ça c'est avant rénovation bien sûr. Elle est déjà complète mais de nouveau un petit peu vieillotte. Voilà ce que ça donne après. Et je pense que nous pouvons être très très contents de nos rénovations. Même les boutons ont été changés. L'aspect général pour moi est nettement plus neuf. Ah oui, pour nous autres Belges, on va assister à quelque chose de bien spécial. Il y a un feu qui se déclare sur l'autre rive et les Canadairs vont entrer en action. Voilà, les voilà qui arrivent. Et en un passage, cela suffira à éteindre l'incendie. Le premier Canadair va passer au ras du sol, derrière les usines. Et en étant très 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 attentif, il y a moyen de voir au moment où le Canadair lâche son eau et où l'incendie s'éteint. Et top, voilà, c'est fini, c'est éteint. Ce fut une... Pour nous autres, un petit moment spécial parce que des Canadairs, malgré tout, en Belgique, on n'en voit pas. Hein. C'est une chose qui n'existe pas chez nous autres. Et franchement, ce sont des héros du ciel, ces pompiers. Alors là, je me mets à poncer la table de cockpit.
parce que Nicole a une idée. On le verra un petit peu plus loin. Voilà, la table est bien pensée, tout est bien propre, bien net. Et Nicole, voilà l'idée de Nicole. Elle a pensé à boucher les trous par de la mosaïque. Et cette mosaïque correspond exactement, pratiquement, aux trous de la table. Et on va les coller, voilà, on va les poser bien sûr un à un, avec du fixol. Et bien sûr, après que la table ait été vernie. On s'y met tous les deux. Et voilà, le travail fini. Pas mal, hein? Ça, c'est un baptême du petit nouveau de Navy Service. Il doit résister le plus longtemps possible à ne pas laisser traîner ses pieds dans l'eau. Évidemment, les abdos, hein, ben c'est dur, hein, comme ça. Il va durer un moment, et puis à un moment donné, bon, ben, ça craque, plouf, voilà, ça y est, il est baptisé. Nicole, elle, a commencé à confectionner une protection pour la table, pour les naves. Ensuite, elle va y adjoindre un élastique pour bien tenir cette protection sous la table, histoire que la table soit bien étanche, soit bien protégée durant les naffes, éventuellement pour ne pas être décolorée, pour ne pas être abîmée, parce qu'on s'est donné trop de mal que pour qu'elle soit abîmée. Pas de mon côté, moi je remplace un tuyau de gaz qui était complètement périmé. Je vais également défaire les chaises de pont et les poncer et les vernir évidemment pour qu'elles soient protégées. Et également pour que ce soit plus joli. Les pourtours des fenêtres du carré vont être entièrement repeintes en blanc. C'est quand même beaucoup plus joli en blanc qu'en noir. C'est moins, ça donne un petit coup de clair au bateau. Ici, je répare les marches des jupes. Les voilà vernis. C'est quand même plus joli, plus propre, plus net. Et bien sûr, le petit logo du bateau avec le nom du bateau Shangri-La 3. Pendant ce temps-là, bah Will, lui, il se promène sur le chantier, il se promène sur le bateau, il vit sa petite vie, il adore trouver les meilleures places, et il les trouve. Hein. Toujours bien. Évidemment, notre voisin belge a un chat, et ça, Will, il n'aime pas trop. Hein. Ça, c'est pour demander de monter à bord. Il faut toujours qu'on le monte, l'échelle est un petit peu trop verticale. Je fais un jour un tour avec un copain, le copain belge, et là, il n'apprécie pas trop. Ah, là, il surveille Nicole qui prépare à manger. Et puis lui, il a toujours faim. Quand il a faim, il pose sa patte sous la table. Et là, il a vraiment faim. Le soir, c'est gai d'être près de Will. Ou c'est peut-être gai pour Will d'être près de moi. Là, c'est le bac du Barcarin. Nous allons voir les Salins de Giroux et les Sainte-Marie de la Mer, toujours avec nos copains belges. Ce bac relie les rives du Grand Rhône. Voilà, là, on arrive avec le bac. C'est peut-être la première fois que je prenais un bac avec un camping-car. Et nous allons nous rendre au fameux Salins de Giroux, qui est également une réserve ornithologique. Et l'eau que l'on va voir derrière nous, voilà, ça ce sont nos copains, vraiment des gentilles personnes. Et l'eau qu'on voit derrière Nicole, qui est mauve, eh bien, c'est vraiment la couleur mauve. Même chose avec moi, évidemment. Alors, ensuite, bah, une petite photo avec nos copains, ils méritent bien ça, Evelyne et Paul. Nous voilà au Sainte-Marie de la Mer, peut-être un petit peu décevant car extrêmement touristique. On a regardé mais sans vraiment apprécier. Beaucoup de restaurants, beaucoup de magasins, il y a quelques belles choses, notamment l'église, mais c'est vraiment très très touristique. Nous n'en garderons pas un souvenir impérissable. Ça c'est à la fin de la visite. Et puis, là, nous sommes de nouveau à PSL, à Port-Navy, et je suis en train de refaire le mât. Ce mât, je l'ai refait, je l'ai poliché, je l'ai poncé là où il fallait être poncé, j'ai fait des retouches. Ce mât va être splendide. On le voit d'ailleurs au chrome à mi-mât, qui brille comme neige au soleil. J'ai également remplacé les crayons de chariot, j'ai remplacé l'antenne de VHF, ce sont des nouveaux feux de mât, le capteur est à ultrason. Nicole, elle, pendant ce temps-là, ben, elle ne reste pas à ne rien faire, elle nettoie les pare-battages.
elle le répare, elle le fait un point de, il y avait un point de ragage sur l'Easyback, elle le répare. Voilà, elle finit sa réparation. Et elle a décidé également de faire des protections de hublot, histoire qu'il ne fasse pas trop chaud à l'intérieur du bateau. Voilà, avec un très joli résultat. Elle m'aidera également à peindre le pourtour des fenêtres avant du carré. Avant, évidemment, il faut tout préparer. Hein. Elle poliche les chandeliers avec toujours notre petit Will à côté de nous. Moi, pendant ce temps-là, je m'attaque à l'anti-fouling, c'est-à-dire poncer la coque de fond en comble. Au début, j'étais pas trop bien équipé. Là, je me suis beaucoup mieux équipé parce que j'avalais de l'anti-fouling, c'est pas très bon. Voilà, et je vais poncer cette coque pendant plusieurs jours, histoire d'enlever le maximum. Voilà, là, je ressemble un petit peu à un schtroumpf, hein, malgré l'équipement. Et là, je prépare le nom du bateau. Il faut bien le maroufler pour qu'il puisse être collé à la coque. La pose n'est pas évidente. On va le faire à deux, une fois Nicole, une fois moi, histoire que les lettres soient bien posées sur la coque. Et le fameux sigle, l'hippocampe, qui ressemble à un S, pour faire le S de Shangri-La. Là, je suis en train de poser l'anti-fouling. C'est de l'international rouge. Et là, je réajuste un petit peu un des deux safrans qui avait tendance à légèrement frotter contre la coque. Alors, mon ami Paul m'a prêté sa disqueuse et je suis en train de disquer. Ici, on repart pour une petite balade et cette balade se passe à Martigues. Voilà Martigues. Alors ici, c'est le pêcheur et la ramandeuse, statue en bronze près du pont de Martigues. Mon bébé près du canal de Caronte. C'est très bon ce jour-là. Ici, fin de journée, nous profitons d'un petit restaurant avec nos copains où nous mangeons un très bon moule frites. Ah oui, ça c'est les soirées de la pause antillaise. À la pause antillaise, il y a toujours un bon moment à passer. C'est le restaurant de Jean-Christophe, le chef de chantier. Quand la soirée se termine, on rentre toujours à pied. Ce n'est pas très loin, c'est à 3 km le chantier Navy Service. Et ça nous fait une belle balade à tous les deux. Et c'est bien gai comme il fait très bon. Jour de course à Port-Saint-Louis-du-Rhône, toujours avec le petit caddie évidemment. Après, nous aurons la faculté de faire ces mêmes courses avec un frigo qui se trouve dans le chantier même. On fait la commande sur internet et chose Intermarché laisse les courses dans le frigo. Ici, les lessiveuses de Navy Service, très pratique pour nous autres, parce que malgré tout, on fait beaucoup de lessives sur un bateau au début, et tout de suite les ranger, évidemment. Jour important, jour même très important, on va remettre le mât sur le bateau. C'est un moment inoubliable, parce que l'équipe de Navy Service est une équipe extraordinaire, des gens d'une compétence fabuleuse. Ils font ça avec d'abord une grande gentillesse et ensuite ils font ça de manière très 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 professionnelle. Il n'y a pas eu un moment d'énervement, il n'y a pas eu un moment de je ne saurais pas dire les mauvais moments qu'il y a eu, il n'y en a pas eu. Ici on accroche le mât, la grue au mât et le mât va tout doucement s'élever. Contrôle, tout est bien sous tension. Voilà. Le mât va monter tout doucement. Et je ne peux m'empêcher de penser à 2000 ans Odyssée de l'espace quand je vois mon mât s'élever. Ça me fait penser à cet avion qui va vers la station orbitale.
Quand l'opération est terminée, on est encore très tôt au petit matin, et j'invite toute l'équipe à venir prendre un petit café et à manger un petit morceau, histoire de les remercier de toute leur gentillesse, de toutes leurs compétences. Alors ici, Monsieur Pronos, son épouse et moi-même remettons la bombe. On l'attache par le vide de mulet, bien sûr, au mât. Les lazy jacks sont déjà placés. Et maintenant, il suffit simplement de bien mettre la tâche en face de la tâche du mât pour pouvoir passer le boulon au travers, qui va garantir la jonction entre le mât et la bombe. Ici, je donne un petit coup de main histoire de bien centrer. Monsieur Pronos d'ailleurs est crayeur mais également marin. Il vit sur son bateau qui est stationné à Port Saint-Louis-du-Rhône. Et son épouse travaille à la voilerie. Alors ici j'installe une manille textile au pied de mon génois, nouveau génois d'ailleurs, que j'ai fait faire, j'en suis très fier, il est très beau. Les voiles du bateau sont quasi neuves. La grande voile a 1 an et le génois est tout nouveau. Bien sûr, je gré le génois. Et voilà, maintenant ça c'est le grand jour par excellence, la mise à l'eau de Shangri-La 3. L'équipe vient avec une remorque hydraulique, ils vont la placer en dessous du bateau. Pour le soulever, évidemment. De mon côté, j'assiste au spectacle. Parce que pour un propriétaire, voir toutes ces choses qui paraissent anodines sont importantes, parce que c'est son bateau qui va aller à l'eau. Je fais obéir Will, parce que j'ai toujours peur qu'il se fasse écraser. La remorque est presque placée. Le chauffeur du tracteur va placer ça vraiment au millimètre près pour que ce qui soulève le bateau soit aux meilleurs endroits possibles, aux endroits les plus solides, les plus durs. Et les autres personnes de Navis Service vont lui indiquer au millimètre près où placer sa remorque. Je pense que c'est fait. Encore un petit ajustement. On lui a indiqué où il devait la placer. Et voilà. Ils vont soulever légèrement le bateau pour que je puisse mettre l'anti-fouling sur les quilles, où bien sûr je n'ai pas pu en mettre puisque le bateau posait sous les dites quilles. Je fais ça le plus rapidement possible pour ne pas faire traîner les gens, évidemment, parce qu'ils ont
Ils n'ont pas qu'un bateau à mettre à l'eau par jour. Voilà, j'en mets bien partout. Et c'est parti. Mon beau Shangri-La 3 s'en va rejoindre son élément naturel, la mer. Je suis très fier de le voir partir, de le voir ainsi, parce que c'est vraiment un beau bateau. À nouveau, le chauffeur fait ça de main de maître, parce que ce n'est pas évident de manœuvrer pareil remorque. Et les copains sont là, Paul et Evelyne. Alors je vais donner un petit coup de main pour guider un tout petit peu le chauffeur, mais il conduit son attelage comme si c'était un vélo. C'est en ça qu'on voit leur grande compétence, c'est que tout a l'air d'être si facile alors que ce n'est vraiment pas le cas. Deux, trois petites indications de ma part, histoire de lui rendre la vie plus facile, mais je ne pense pas qu'il en ait réellement besoin. Voilà, on voit là le... pour moi, le magnifique profil de mon bateau. J'avoue être amoureux de ce beau bateau. Tout doucement, il va rejoindre l'eau. Bien sûr, jusqu'à la dernière minute, le bateau va rester sous la remorque. Ils ne vont pas l'enlever, ils ne vont pas la descendre complètement. Voilà, le bateau descend doucement. Au moment où le bateau touchera l'eau, ce sera la fin de la première partie de l'aventure, la partie rénovation, mais également cette partie que j'ai beaucoup apprécié, c'est... Ah, voilà Norbert. C'est justement, il fait partie de ce cadre de PSL. C'est un gentil monsieur qui est venu, qui m'a donné beaucoup de conseils, qui m'a bien aidé. Il fait vraiment partie du folklore de PSL. Il habite sur son bateau. Et c'est ce qui a fait tout ce charme de ce chantier. On m'avait dit que c'était un petit village, j'étais un petit peu dubitatif. Eh bien, je me suis rendu compte que c'était réel, que c'était un vrai petit village. Donc ici, Norbert va attacher le bateau. Alors voilà Fox et mon petit Will. Et maintenant, je vais bientôt monter à bord pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de prise d'eau, s'il n'y a pas d'anicroche. Voilà, je monte et je vais contrôler tout. Là, j'ai fait court, mais je vais aller tout contrôler. Ah, ça, c'est le jour de départ. On est le 10/8/2019. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je suis très heureux. Au bord, Paul fait nous filme. Je suis parti donc avec Nicole, bien sûr, le Will, mais aussi avec Philippe et Dominique. Ce sont les anciens propriétaires qui ont très aimablement et très gentiment accepté de nous accompagner jusqu'à Almerimar. Là, je regarde un petit coup d'œil sur PSL où j'avoue, il laisse une partie un petit peu de moi. J'explique à Philippe ici le maniement du nouveau plotter que j'ai fait installer avec l'AIS.
sur la Yes, voilà, on voit tous les bateaux, toutes les triangles rouges, ce sont les autres bateaux. Moi, je suis au centre du rond, et voilà en réalité les bateaux. Donc la Yes, c'est un outil vraiment indispensable à l'heure actuelle. Le signal là, c'est une cardinale qu'il faut bien respecter, surtout à la sortie du Rhône. La preuve, un voilier échoué. Déjeuner à bord, première journée à bord avec donc Dominique et Philippe. C'est bien agréable, c'est un moment sympa. On discute de notre nouveau Génois avec eux. Grande voile haute, évidemment, il fait bon, il n'y a pas beaucoup de vent. Et ces moments inoubliables dont je ne me lasserai jamais, un coucher de soleil sous la mer. Là, on va avoir une très belle journée de navigation, mais durant la nuit qui va suivre, le temps va se dégrader et au petit matin, on va avoir beaucoup de pluie. Et à ce moment-là, je vais décider de faire une halte à Ibiza. Voilà, le temps se dégrade, les grains s'annoncent. On est trempé comme des soupes, mais la vie est belle. Là, c'est notre escale, et en plus, durant cette escale, on va régler un petit problème technique aux trappes de survie. Cela, c'est dans le bas d'Ibiza. Là, on approche du mouillage. Et voilà le mouillage. Là, nous sommes ancrés. C'est la Calo de Moro, vraiment à l'extrême sud d'Ibiza. On est le 12 du 8 à ce moment-là, 12 du 8 2019. Et toujours ces magnifiques couchers de soleil. Petit matin où on discute de la réparation qu'on va devoir faire. Bien sûr, oui, lui, la réparation, hein. Tout ce qu'il veut, c'est sa petite tartine. Hein. Voilà, c'est une poignée qui a cassé, donc le hublot n'est plus jointif et il y a de l'eau qui rentre. Donc on doit trouver un système et c'est Dominique qui va trouver la manière de le réparer. On chipote un peu avec un petit bout de bois qu'on a percé d'un trou et qui va servir de cale. Alors ça, c'est le trajet que nous avons fait de Port-Saint-Louis-du-Rhône à Ibiza. Au petit matin, nous vers 11h30, le 13, on repart. Mais Nicole n'était pas très contente à ce moment-là. Elle aurait préféré rester un petit peu au mouillage. Voilà, adieu Ibiza qui s'éloigne. Et là, le bon temps s'est remis de la partie. Et nous sommes en route vers Almerimar. Évidemment, comme on a un beau spi et que le vent est tombé, il faut essayer le spi. Mais il y a un petit problème au moment de hisser le spi. Il y a une poulie qui s'est bloquée là de ce côté-là, du côté tribord. Et je vais devoir aller y chipoter. Dominique va venir pour tenir le bas du spi. Parce qu'il est bloqué. Voilà, Dominique est là, je peux aller à la poulie, je vais la redresser, la débloquer, mettre de nouveau tout ça en ordre. Voilà, c'est débloqué. Et je vais enfin pouvoir hisser mon beau spi. Et voilà. Les anciens propriétaires, Domi et Philippe, m'avaient dit que c'était un beau spi, et c'est vrai qu'il est vraiment très très joli. Je ne suis pas un grand amateur de spi, je trouve que c'est un peu plus difficile à murer qu'un djinnaker. Je préfère de loin un djinnaker. Et bon, sur ce bateau aussi, je n'ai pas de djinnaker, donc je fais avec ce que j'ai. Et à nouveau, ces merveilleux couchers de soleil qui terminent la journée. Ah là, c'est
Dominique qui me dit, ah, fais pas la dorade, non, plutôt, fais pas le mérou, fais la dorade, car il n'y a pas de vent à ce moment-là, et il me fait rigoler. Là, nous croisons un bateau en panne, dont on l'a vu sur la Yes qu'il était en panne. On s'en approche, car il n'y a pas beaucoup de danger, parce qu'à la jumelle, on a vu quelque chose d'un peu spécial, et qu'est-ce qu'on voit sur le pont? On commence déjà à le voir là. C'est l'équipage qui joue au basket, avec des filets sur les côtés, évidemment. Voilà, c'est un bateau qu'on croise durant notre dernière nuit en mer, la dernière nuit avec Philippe et Dominique, parce qu'on arrive le lendemain à Almerimar. Et à nouveau, au risque de me répéter, c'est merveilleux le coucher de soleil. Voilà, photo finish. Après une nuit tranquille, on est en approche du port, on fait un petit selfie du groupe, parce qu'on a passé vraiment de très très bons moments ensemble. Là, c'est l'entrée du port. Almerimar, voilà, je range vite la GV. Et bientôt, on va se retrouver au quai d'honneur de la capitainerie, qu'on va apercevoir maintenant. Voilà la capitainerie. Et là, je vais pour faire les papiers. On est le 15 du 8 2019. Voilà Shangri-La au quai de la capitainerie. Et à nouveau, sur la cartographie, le trajet que nous avons parcouru d'Ibiza jusqu'à Almerimar. Et là, nous sommes à notre place définitive, à la place que nous allons conserver durant notre séjour à Almerimar. Et tout de suite, bien sûr, je me remets au travail. Ça, il y a encore des améliorations à faire au bateau. Je place un tapis en dessous de la table pour faire joli. Ça, ce sont les détails que Nicole a peints sur la table. Remarquez le détail, justement, comme c'est bien fait. Et voilà, ça c'est la version finale du carré, que je trouve beaucoup plus sympa qu'à l'origine. Regardez, avant, après. Un peu vieillé au-dessus et totalement rénové en dessous. Je vais faire la même chose pour le carré, je ne sais pas si on se rappelle, mais il y avait des sortes de palettes en bois qui faisaient très mal aux pieds quand on était pieds nus. Je nettoie correctement le sol, évidemment. Je repeins avec une peinture spéciale. Entre-temps, bien sûr, j'ai rehaussé la table qui était un peu trop basse. Voilà, maintenant tout est beau, tout est propre. Et avec le tapis d'origine, un tapis qui est prévu pour l'eau, c'est parfait. Ah, comme à la maison. Dans un catamaran, la cuisine est tout à fait confortable. Et ce soir, Nicole nous fait un spaghetti carbonara. C'est gai de la voir ainsi. Et avec un beau sourire et un gros bisou en plus. Ah, c'est une petite histoire. C'est un Belge qui tombe en panne au milieu du port. Son bateau est drossé contre la côte par les vents parce qu'il est en panne de moteur, il sortait. Je lui fais signe qu'en réalité c'est son arrivée d'essence qui est déconnectée simplement. Il le constate, la remet en route. Et voilà, il est tout heureux, il est tiré d'affaire, il croyait avoir une grosse panne, il me fait signe mille fois merci, car il est tout heureux, et on restera un moment en rapport avec lui par internet, et il s'en va là d'où nous venons, c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône, il va près de Martigues. J'espère un jour le revoir sous les océans, qui sait. Almerimar, on le savait car on avait déjà été dans ce port, est un port assez venteux. Et certains jours, ça peut monter assez haut. Là, sur l'écran, il n'y a que 44 nœuds, mais c'est monté ce jour-là jusqu'à plus de 50 nœuds. De nouveau, les rénovations. On a mis des petites mosaïques dans les salles de bain pour faire joli. Un petit peu partout. On a fait la même chose dans les salles de douche. On a rénové également. Voilà, partout avec un petit logo différent.
Et Nicole trouve que le cockpit n'est pas assez décoré. Alors elle va faire un dessin de nouveau à la main, qu'elle va après peindre, évidemment, à la main. Et ça, c'est un détail. Je pense que le cockpit est terminé et qu'il est vraiment très très joli. Et j'ai également fait faire des poignées en inox de part et d'autre aux trappes de survie. Et maintenant, pour la Transat, ce sera tout à fait sécurisé. Je mets l'annexe à l'eau, je vais faire... Et de nouveau, quand il a faim, il met la pâte sur la table. Et comme d'habitude, il trouve toujours le bon endroit pour faire la sieste. Là, à Mérimar, on ne fait pas que travailler. On fait aussi des promenades. Ou on se paye un petit resto. Et c'est bien agréable, ma foi. Ou encore, on fait un petit tour avec l'annexe dans l'avant-port avec notre petit Will. Des Gantois que nous recevons, un architecte et son épouse, qui ont un bateau également, et le monsieur joue du biniou, c'est une sorte de cornemuse. Ma princesse, mon équipière, ma belle. Jour de brouillard, parce qu'il peut faire très mauvais même en Andalousie. Le blanc, c'est la Sierra Nevada avec ses sommets enneigés. Des amis que nous allons retrouver et aux Canaries et aux Antilles. Ça, c'est ma petite épouse qui m'a préparé ça pour ma future Transat. C'est pour me soutenir le moral, si besoin en est, évidemment. Car mon bébé ne sera pas là, et il m'a écrit toute sa petite maxime. Voilà, mon beau Shangri-La 3 est prêt. Nous autres aussi. Et bientôt, c'est le départ pour Lanzarote, Puerto Calero. Samedi 26/10/2019, à 6h du matin, nous démarrons d'Almerimar. Le soleil se lève et embrase l'horizon, c'est splendide. Dans le haut de la photo, on voit la lune qui est toujours là. C'est une vraie merveille. Même si à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de vent. Seule la mer peut permettre un tel spectacle. Voilà, c'est quand je suis en mer que je suis heureux. Bon, là, on n'a franchement pas de vent, c'est pétole. La mer est comme un miroir. Alors, évidemment, ben, quand il y a pétole, ben, c'est la risée de mer, hein, c'est-à-dire qu'on met les moteurs en route. Et à nouveau, c'est un merveilleux coucher de soleil. Un spectacle dont je ne me lasse pas. Alors le lendemain, c'est le passage du détroit de Gibraltar.
là je suis à la barre, car ça peut, c'est pas la première fois que je le passe, c'est la quatrième fois, et parfois il y a du trafic, donc il faut être attentif. Je barre évidemment. Voilà le fameux rocher. Je prends ma petite femme avec en fond le rocher de Gibraltar. C'est toujours un moment un peu spécial de passer Gibraltar. Ça, c'est la baie de Gibraltar. Là, au fond, on longe les côtes espagnoles et au fond, on voit un bateau qui va nous suivre tout au long. Si je longe les côtes espagnoles, c'est justement pour ne pas être dans le rail des cargos. Voilà le fameux voilier qui nous suivait. Alors au loin, c'est la pointe extrême sud de l'Europe avec le phare de Tarifa. Évidemment, on sait que Gibraltar est une zone très venteuse, on y voit d'ailleurs des éoliennes. Là, c'est les côtes de l'Afrique, le côté bâbord, et une vedette de garde-côte marocain. Fin de journée, il fait un peu friscounet. Je sors du détroit. Voilà, sur l'écran ça donne ça. Le lendemain matin, quand je me lève, le vent est bien présent et nous avançons bien. Malheureusement, en fin de journée, le vent va complètement tomber. Et nous aurons droit à nouveau à une journée de pétrole. Et l'océan est à nouveau comme un lac, un vrai miroir. Ça va durer toute la journée. Il n'y a pas une once de vent, il n'y a pas une ride de vagues sous la mer, c'est vraiment étonnant. Ceci étant dit, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ben alors on en profite pour faire une petite douche. On s'est mis en panne. On n'a même pas mis les moteurs. Et on se rince, il fait bon, c'est gai. C'est aussi ça, naviguer. En fin de journée, ben, c'est le farniente. Et Nicole est heureuse. Bien sûr, à ce moment-là, comme d'habitude, dès qu'on remet les moteurs en route, les dauphins entendent le bruit des moteurs et viennent jouer avec les étraves. Spectacle aussi inoubliable, tout ça. Même si ce n'est pas la première fois, on ne peut jamais se lasser de chant de spectacle. Et voilà, la journée se termine par un magnifique coucher de soleil, une fois de plus, une fois encore, mais j'aime ça. Le 30 du 11, après une matinée sans vent, je vais essayer le spi tout l'après-midi car il y a un petit peu de vent. Donc je vais profiter de mon beau spi. Dans l'après-midi du 31, j'aurai une panne de pilote, ce qui veut dire barré jusqu'au bout. Ça, c'est le trajet que j'ai parcouru
donc que nous avons parcouru d'Almerimar jusque Lanzarote. Nous voilà à notre place de port à Puerto Calero, au bout du port. C'est pas facile pour manœuvrer, les places ne sont pas très très larges, les pannes sont l'une près de l'autre, mais bon, c'est comme ça. Et on va en profiter là pour faire des travaux sur le pilote et sur le calculateur. On va les remplacer tous les deux. Nicole en profite pour faire un petit selfie, un petit film sur l'entrée du port. Très grand le port, mais à l'année il y a beaucoup de bateaux qui y restent, donc les places sont chères. Il faut vraiment commander sa place à l'avance. Un petit bonjour des Canaries. Ici on dit hola. Ça c'est l'avant-port, par où on arrive. La tour que l'on voit, c'était l'ancienne capitainerie. Maintenant, elle est vide. Et là, on voit un grand voilier qui fait une manœuvre de sortie de port. Il y a beaucoup de choses à faire à Puerto Calero. Notamment, bah, regarder simplement les grands voiliers. C'est toujours très joli. Et de voir également la dextérité des skippers. Parce que l'entrée du port n'est pas surdimensionnée. Et puis voir ces jolis voiliers, bah c'est agréable. Ça fait passer un joli moment. Ici, on voit que le skipper fait tout doucement, parce qu'au bouée rouge, on se rend compte bah, que on n'est pas très loin de la côte. Quand on voit les dimensions du voilier. Alors ça, c'est le petit point jaune que l'on voit, c'est un sous-marin avec précédé d'un petit bateau pour la sécurité. C'est également une des attractions de Puerto Calero. Mais il y a également la possibilité d'aller voir les grands yachts, j'ai pas pu résister. Celui-ci est franchement fameux. Alors là, ce sont les balades que nous avons faites à Lanzarote. Nous partons vers le village de Fémes, qui paraît-il a un point de vue extraordinaire sur le sud de l'île. La petite route est bien étroite, on se croise difficilement, et la voiture d'ailleurs qui est devant nous pour le moment a peur. Je m'en rappelle, c'était une dame au volant qui vraiment avait peur de l'étroitesse de la route. Voilà le village de Fémes. Déjà au loin, on se rend compte du point de vue, la petite église. Un joli petit village, relativement désert au moment où on l'a visité. Nicole ne peut s'empêcher d'aller, bien évidemment, faire des photos. Faire des photos et filmer. Et voilà le fameux point de vue qui donne sur le sud de l'île. Et on voit la petite route qu'on a empruntée. Toujours une balade aux alentours du village de Fémes. Lanzarote est une île volcanique et ça se remarque partout où l'on va. Ici dans mon dos, un bougainvillier. On en voit partout à Lanzarote. On se rend compte que le paysage est vraiment lunaire. Là, c'est les salins de Bérougo, un petit peu à l'image des salins de Giraud en France. On filme tout ça et pour moi, le voyage, c'est quand même top. Ça, c'est la marina de Rubicon.
On la visite. On avait hésité entre Puerto Calero et pour cette fois-ci la Marina Rubicon. On a préféré retourner pour la quatrième fois à Puerto Calero et je crois qu'on a eu raison. Si la Marina est très jolie, je préfère Puerto Calero. Là, c'est le parc national de Timanfaya. C'est un parc de nouveau qui montre le côté volcanique de l'île. C'est de la rocaille partout, partout. Pas un brin d'herbe, évidemment. Et voilà, avec l'arrière-plan, on se rend mieux compte du caractère volcanique. Ça, c'est la culture de la vigne. Ils font des petits trous pour garder l'humidité au fond de ce qui protège la vigne. Et le vin est très bon d'ailleurs. Voilà, dans le fond, là, on voit Puerto Calero. C'est une autre petite balade que nous avons faite vers Playa Quemada, qui est un village typique de nouveau de Lanzarote. La promenade se partage de nouveau entre pierre et mer. Il fait évidemment très bon. Alors que nous sommes là fin de l'année, nous sommes déjà au mois de. On est à mi-novembre certainement. On voit de nouveau dans le fond ce côté volcanique, tous les anciens volcans. Oui, il adore bien sûr se promener avec nous. De tous les côtés comme d'habitude. Nous avons beaucoup apprécié cette promenade. En général, nous aimons Lanzarote. C'est une île qui nous a toujours beaucoup plu. La preuve. Voilà le petit village de Playa Quemada. Village tout blanc, il est catalogué dans les très beaux villages de Lanzarote. Et nous allons d'abord visiter le petit village, bien sûr, qui est en bord de mer. On va faire quelques photos dans le village, mais on ne va pas s'y arrêter. Coucou. C'est nous. Alors bien sûr, petit restaurant typique de bord de mer. Tout est blanc là, évidemment. Et en plus d'une propreté remarquable. Voilà, petite ascension que l'on va faire d'un volcan colline, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Il y avait, voilà, on remarque que la mer est d'un bleu azur magnifique. Il y a un vent à décorner des bœufs tout au long de cette promenade, mais il fait très bon. C'est ce que nous aimons tous les deux dans le voyage, c'est ce côté promenade et en même temps vision d'ailleurs. Voilà, ici c'est un décor de western, soyons honnêtes. Voilà, la promenade se termine tout doucement. Nous allons rentrer sur Puerto Calero. Ça, c'est la descente de la colline, colline volcan. Voilà mon bébé qui arrive, toujours précédé de notre petit Will. Alors voilà la colline. Sur le côté, c'est une ferme de chèvres. Autre promenade, c'est à Puerto del Carmen, ça c'est tout près de Puerto Calero, de nouveau à 4-5 km, avec une descente très typique. À Puerto Calero, il y a des bancs tout au long de la promenade, et c'est un moment de repos, un moment de quiétude, un moment où on peut profiter de la mer. Il, bien sûr, ne se laisse pas oublier. Mais je vais me taire parce que dans un instant, on va se rendre compte du climat subtropical par le chant d'un oiseau. Bonjour.
pas peur, hein. Ah, ça va décoller. Voilà, petit moment de bonheur. Ça, c'est notre resto favori à Puerto Calero. On y a toujours bien mangé pour 3 francs de sous. Et après le resto, bien sûr, petite promenade. On est près des fêtes de fin d'année et les luminaires y sont déjà. Voilà, il n'est d'endroit aussi agréable qu'il ne se quitte. Demain, départ pour ma troisième transat. Bébé en a fait deux et ça lui suffit. Elle va rentrer à Bruxelles et viendra me rejoindre en avion aux Antilles. Lui, oui, il m'accompagne et c'est également sa troisième transat. Voilà, c'est mon grand départ. Bébé prend les photos, moi je la crois à l'aéroport. Je ne vois pas ses au revoir de la côte parce qu'à ce moment-là, j'avoue, je suis dans ma transat. Et tout doucement, je vais m'éloigner au moteur parce qu'il n'y a pas un pet de vent à ce moment-là. Je sais que pour bébé, ce fut un moment très difficile. Elle me l'a convié après. Je n'ai d'ailleurs pas pris le film, mais pris des photos parce que le film tremblait un peu trop. Donc là, je m'éloigne doucement. Je vais vers Fuerteventura. Et longtemps, je sais qu'elle m'a suivi du regard. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit quand on s'est retrouvés aux Antilles. Malgré tout, pour moi, c'était un moment difficile aussi, parce que de la savoir seule, je n'aimais pas ça. Je filme mon départ. Voilà, on voit très bien la côte qui s'éloigne. On voit aussi Puerto Calero dans le fond. Mais pour moi, j'aime ça. Ce sont des nouvelles aventures qui commencent. Grand voile haut parce qu'au départ il n'y a pas trop de vent, donc je ne prends pas de riz dans la GV, tout est mis. Il fait toujours un petit peu frisquet le matin, c'est pour ça que j'ai mis mon petit polar. Au départ d'une transat, bien sûr, je surveille tout, surtout que on a fait mettre avec Nicole un nouveau pilote et un nouveau bras pour le pilote, et alors je surveille toutes ces nouvelles pièces. Là à tribord, on voit Fuerteventura. Je fais un arrêt assez rapide au bas de Fuerteventura, Morro Jablé, parce que j'ai un petit problème de pilote malgré le fait qu'il est nouveau. Il faut que je le règle, je devrais faire des tours dans l'eau pour le régler dans un sens puis dans l'autre, ce sera très vite réglé. Et ça, c'est mon trajet de Lanzarote à Fuerteventura. Je ferai un arrêt assez rapide, le temps de régler donc ce pilote, et après ce sera le grand départ pour la Transat. Et le voilà, départ pour la Transat, tout est réglé, maintenant j'y vais. Les premiers jours se feront entre nuages et soleil, et comme mes précédentes transats, comme les deux précédentes transats, le départ est calme. Bon, là au petit matin, malgré tout, je suis en mer et il fait toujours un peu frais. Le petit café, ça fait du bien. Bien sûr, il n'y aura qu'un acteur à ce moment-là parce que, ben voilà. Donc là, malgré le fait du soleil, ben, je supporte bien mon petit polar.
Celui-ci, au fil des milles, surtout dans la dernière partie, bah, il n'existera plus. Bah, je serai en t-shirt, il fera bon à ce moment-là. Mais là, on est 27-28 degrés donc, de latitude. On n'est pas encore au tropique. Tout va bien, je surveille, je profite. Au début de la transat, c'est vrai, comme les deux autres fois, la mer est un peu désordonnée. Ce n'est pas une mer rangée, ce que j'aurai par après. J'avoue qu'à ce moment-là, plongé dans ma rêverie, sur cet océan qui est sans cesse différent mais sans cesse le même, je suis heureux. Voilà, c'est une journée sans vent. Eh ben, j'en profite pour hisser le spi, histoire d'avancer quand même un petit peu. Et puis j'aime bien ce beau spi. Là, j'ai envoyé le spi sans problème. Et pendant une journée entière, je vais bien avancer au spi. Alors, comme toujours, j'observe tout. Ah oui, en plus, j'aurai la chance d'avoir des dauphins qui vont m'accompagner à ce moment-là. J'en profite pour vite filmer. C'est toujours un spectacle fantastique d'avoir ces superbes animaux qui viennent jouer avec les étrafes la plupart du temps. Je tiens une bonne vitesse, on le voit ici, je suis entre 7 et 8 nœuds de vitesse. Voilà, 8 nœuds. Et pendant ce temps-là, mon petit biloulou, ben, il joue. Lui, la navigation, ça ne le perturbe absolument pas. Il est toujours content. Faut dire qu'il est habitué au bateau. Je lui laisse toujours son petit gilet, évidemment. Histoire de vite l'attraper s'il fallait avec la laisse. Et comme toujours, bah, il profite des bons moments, il profite des bons fauteuils. Et il reste tout le temps, toute la transat, il est resté quasiment collé à moi. Dès que... on ne se quitte pas de vue. Voilà. On se tient compagnie l'un l'autre. Bien sûr, je tiens le journal de bord à jour, c'est obligatoire. Et puis en plus, ça fait un beau souvenir par après. J'ai toujours gardé mes journaux de bord. La nuit, voilà, le long des côtes africaines, je suis attentif parce que, voilà, il faut regarder les bateaux qui sont autour de moi. Là, ce sont des vagues qui autour du Cap Vert. J'ai toujours eu une mer un petit peu plus forte aux alentours de ce cap, de ces îles. Sans pour autant que ce soit quelque chose d'insurmontable, loin s'en faut. Ça fait des jolies vagues. Thank you.
Will, mon meilleur ami, lui, il est toujours scotché à mes genoux. Il est toujours près de moi. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais franchement, c'est mon meilleur ami. J'adore mon petit chien. Je ne suis pas le seul parce que Nicole l'adore aussi. Même quand je suis au poste de bar, il ne peut s'empêcher de venir près de moi. Ou alors il vient s'installer à mes pieds. Voilà, et puis il ne bouge plus. Là, je suis plongé dans ma rêverie. J'adore être en mer, je me répète, mais c'est un moment d'extase pour moi, la mer. Au poste de bar. Ce sont des moments de parfois d'introspection où je laisse ma pensée vagabonder. Bien sûr. Caritan et elle fête la Noël toute seule en m'attendant, évidemment.
Alors attention, séquence émotion. Là, mon petit bébé enregistre un petit truc. Voilà, c'est le grand jour. Mon mari va arriver, mon petit mari, avec mon petit chien. Ils m'ont manqué pendant tout ce temps. Ça fait 22 ans qu'on se connaît. Et encore aujourd'hui, j'ai le cœur serré. Parce que je suis contente de le revoir. Je suis aussi curieuse de voir ce qu'il va me raconter. J'espère qu'il n'y aura pas de trop de négatif. Et je l'aime très fort. Voilà, c'est la fin du voyage. J'arrive, je vais bientôt m'ancrer. Je me positionne doucement. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que je suis très heureux de retrouver Nicole, mais également très triste que cette transat soit finie. Je quitte le monde des marins, je vais retrouver le monde des terriens. Troisième transat et sans doute la dernière. Là, j'arrive au ponton de Lanscaritan. Il ne va pas fort. À ce moment-là, je ne sais pas vraiment que Nicole est déjà là, en Martinique. Et elle me filme de la berge. Voilà, on voit juste mon dos. Je suis en train d'amarrer l'annexe. Alors, je suis vraiment très fatigué à ce moment-là, parce que j'ai passé quasiment une nuit blanche. Et voilà le trajet, l'entièreté du trajet de Fuerteventura jusqu'aux Antilles, jusqu'à la Martinique. Après, comme Nicole a loué ce petit appartement, je vais me reposer pendant, je pense, 2 jours, là. On est très bien, c'est très gai. Ça va me changer un petit peu les idées. C'est très joli. Quand je remonte sur le bateau, première chose que je fais, ma combinaison, hop, et je vais aller plonger pour voir si l'encre ne chasse pas, si l'encre a bien tenu. Parce que je ne suis pas sur un sol de sable, je suis sur un sol plutôt rocailleux. Les fonds sont très pauvres malheureusement à Sainte-Anne, il y a peu de poissons. La première fois que j'y suis venu, il y en avait beaucoup plus. Mais il y a de plus en plus de bateaux qui s'ancrent et qui malheureusement détruisent les fonds. Voilà, là je suis à la verticale de l'ancre. Comme d'habitude, je vais plonger dessus. Aller voir si elle est plus ou moins bien tenue, quoique j'ai lâché beaucoup de chaînes. C'est une chose que je fais quasiment systématiquement, c'est plonger sous ancre. Un petit coup d'œil, je m'assure qu'elle est bien tenue. C'est parfait, elle s'est bien enfoncée. Pas suffisamment, mais elle tient bien. Voilà, c'est le point de l'ancre par rapport au bateau. Mon beau Shangri-La. Ça, c'est quand je fais des plongées, je remonte toujours une belle étoile de mer que je me suis empressé de remettre à l'eau, évidemment. Je trouve ça très, très joli. À premier soir, avec Nicole, on fait l'apéritif, évidemment. C'est la première fois qu'elle est de nouveau sur le bateau. Alors on se prend l'apéritif, il fait vraiment délicieux. Il est plus ou moins 6 heures le soir, là, pas tout à fait. Et gros bisous au capitaine. Dans le fond, le soleil se couche sur le rocher du diamant. Voilà, et on voit que les feux de mouillage s'allument sur la baie de Sainte-Anne. Ah, ça c'est pour la nouvelle année, on avait fait un petit quelque chose.
Ah oui, j'avais dit en Espagne que l'annexe c'était quelque chose d'important et c'est quelque chose de très important. On a un gros moteur et ça nous permet d'aller très vite dans tout le mouillage. On va plus rapidement du mouillage où on se trouve jusqu'au marin en annexe que si on prenait le bateau. Et puis c'est plus pratique honnêtement. Beaucoup de gens font de même. Et Nicole apprécie particulièrement les trajets en annexe. Le chien qui est dans le fond, bien sûr, de l'annexe, lui, ça ne le dérange pas, il attend que ça se passe. Et il rentre volontiers dans l'annexe et il en sort volontiers. Pause sur moi. On voit que l'annexe va vite. Voilà, le chien, lui, ça lui est égal. Là, nous traversons le mouillage de Sainte-Anne et nous allons au marin. On va au marin bah, d'abord pour prendre un petit verre. Ça, c'est à la nouvelle capitainerie, dans le nouveau port. On prend un petit verre, bah, on se connecte avec le Wi-Fi. Là, c'est au Mangobé, l'inévitable Mangobé. Là, c'est dans l'ancienne marina. C'est très connu, le Mangobé. Alors là, on vient de faire des courses. Ça n'a pas l'air, on revient du carrefour. C'est un petit bras de mer dans la mangrove qui mène à une zone qui s'appelle Artimer, où il y a moyen de faire pas mal d'achats pour les bateaux, évidemment. D'ailleurs, en Martinique, surtout aux marins, tout est centré sur le bateau. On trouve un nombre incalculable d'accastilleurs, de marchands de bateaux, de loueurs de bateaux. Voilà les courses qui sont au fond là. Et là, on rejoint le. Là, on va déboucher au bout, on débouche sur le mouillage du marin, et puis après, on rentre à Sainte-Anne. C'est autre chose que de faire les courses en Belgique, hein. Beaucoup plus gai. Alors là, évidemment, bah, quand on rentre des courses, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit plongeon, hein. On n'est quand même pas sur un bateau pour rien. Faut dire aussi que l'eau plus froide est à 25-26, mais elle est plutôt couramment à 27-28. Nicole, qui déteste mettre sa tête sous l'eau, j'essaie de le lui apprendre. Elle trouve d'abord que l'eau est très très salée. Berberberk. Et j'essaie de lui apprendre à mettre sa tête sous l'eau, mais c'est pas évident. Elle nage très bien, mais mettre sa tête sous l'eau, elle n'aime pas trop. Alors quelques petits exercices pour lui apprendre. Voilà, berk, berk, berk. C'est vraiment très salé. On se bouche le nez. Et on va un petit peu sous l'eau en fermant bien les petits yeux. Voilà, je me suis amusé à faire un ralenti d'un petit saut dans l'eau. C'est toujours joli avec les petites bulles. Ah, important, une laverie près d'un mouillage, c'est toujours très gai, parce que rares sont les bateaux qui ont des machines à laver. Et malgré tout, on est sujet à devoir laver son linge. Et à Lanskaritan, bah, il y a une grosse laverie où tous les plaisanciers vont pour laver leur linge. Après, bien sûr, bah, on pend le linge au bateau et ça a une bonne odeur, ça sèche très rapidement, évidemment, avec le soleil et la chaleur. Et on en profite pour faire quoi? Ben, rien du tout.
c'est aussi ça, la vie en bateau. Ça, c'est le mouillage de Sainte-Anne, là où nous trouvons. En Martinique, dans la Caraïbe, quand il pleut extrêmement fort. On voit vraiment arriver les grains tout blancs, on voit vraiment les rideaux de pluie et ça tombe de manière incroyablement forte, donc on n'est pas ça en Europe. Mais ce n'est pas très, très ennuyant parce que très rapidement, on a droit à ce genre de spectacle, des beaux arcs-en-ciel. Le vent n'existe plus, la mer se calme en 2 minutes et voilà. L'avantage de vivre sous les tropiques. Et surtout qu'il fait bon chez nous autres en Belgique. Quand il a plu, il fait froid. Là, il fait toujours bon. La température n'a pas changé d'un degré. Ça, c'est le ponton de Lanscariton où je me suis amarré à l'arrivée avec mon annexe. Il y a un beau petit restaurant très sympa. On a mangé un bon poulet boucané à la farine de manioc. Ça, bien sûr, ce sont les amis, hein, les connaissances bateau, des gens très sympathiques que nous avions vus aux Canaries et qu'on a retrouvés aux Antilles. Ah oui, nous avons eu la chance d'assister à une course de bateau typiquement martiniquais. Nous étions amarrés, cette fois avec le bateau, dans la baie du Marin. Et on a assisté à cette régate et les bateaux passaient vraiment très près de nous. Et on le verra à la fin de la séquence, il y a un bateau qui est même venu quasiment sur notre étrave. Ce sont des voiles qui ne savent pas riser, ils doivent se mettre de l'autre côté et faire contrepoids, un peu comme on le ferait avec un 420, un vaurien. Il y a une prise de vue un peu plus loin où on voit des gens qui sont littéralement pendus pour faire contrepoids. On le voit déjà ici. Je pense que c'est celui-là qui va nous frôler et ça va le déventer et il va se repousser sur notre étrave bâbord. Ici on n'entend pas le... il n'y a pas de bande son, mais le skipper, le barreur n'était vraiment pas très content. Hein. Je peux vous assurer que quelques jurons sont sortis de sa bouche. Pendant que Will rêve devant le guide des Antilles à d'autres voyages, Nicole et moi faisons un dernier selfie pour nous rappeler à Bruxelles de cette belle aventure que nous avons vécue. Et je vous laisse méditer sur cette maxime écrite sur cette table de restaurant aux Antilles. Mais attention, ceci n'est pas encore la fin du film. Mes aventures nautiques m'ont appris que la mémoire transforme les dangers vaincus en visions précieuses. La volonté se renforçant à chaque faiblesse, défaillance, échec, une fois ceux-ci surmontés. Seuls les grands horizons m'attirent pour la victoire sur mon humaine condition. Ils me sont devenus plus indispensables que le pain quotidien. J'ai toujours cherché une forme de vie qui m'ouvre le chemin d'un voyage sans fin. Voilà, l'histoire s'achève, et pourtant je rêve encore de vastes mers où courent doucement mes mélancolies.
Je sais que notre histoire, à Nicole et à moi, avec la mer, n'est pas terminée, et qu'un jour prochain nous y retournerons. Quand ce merveilleux coucher de soleil se terminera, malheureusement ici, nous ne verrons pas le fameux point vert que j'ai vu ce jour-là, vous aurez encore la carte de l'entièreté de notre parcours, et ensuite un petit mot d'au revoir à tous les gens que j'ai croisés sur ma route, et aussi à mon équipière fidèle, mon épouse. Enfin, les attributions de la musique. J'espère que nos aventures et mon petit film vous ont distrait un moment de votre quotidien. J'espère que peut-être ça vous a donné l'envie d'un jour partir vers d'autres horizons à bord d'un bateau et vous aura donné quelques indications techniques sur la façon de vivre en bateau, qui est tout à fait différente de la façon de vivre sur terre. Voilà, je termine par l'entièreté du parcours et bientôt par mes mots de remerciement à tous les gens que j'ai rencontrés. Au revoir et à bientôt.